Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères les cartables, qui pètent un câble, les amis. Vous avez sûrement dû voir des tweets et des snaps qui ont fuité de moi d'une bagarre dans un tacos. Je me suis embrouillé chaud dans un tacos, les amis. À la base, moi, je fais des dégustations gratuites. Et pour une fois, il y a un snack, ils voulaient me payer. Ils voulaient me payer pour de la pub. J'ai voulu faire les choses bien pour une fois, les amis. J'ai pris un caméraman. Je me suis coiffé. Je me suis préparé. Et au final, il m'a fait un tacos dégueulasse. Je peux pas puber ça, les amis. Je vais être en fin de carrière, c'est pas possible. Nul, nul, nul le tacos. Je vous laisse regarder la séquence, les amis, par vous-même. Bonjour à tous, les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères les tacos, qui regardent Narcos, les amis. Et la grande des Lionel, Diego, sauce fromagère, Tauvin. Les amis, j'ai trop faim, j'ai la dalle. Je suis venu manger un tacos, les frères. Je pourrais manger un humain rôti, la vie de ma mère, j'ai trop faim, les frères. Venez avec moi, on va aller grailler un petit bout. Alors, frérot, bien ou pas? Franchement, il y en a du dinosaure, du kangourou. T'es un bon. Non, on va aller voir dans la cuisine direct, les frérots. Frérot, déjà, tu tacos. Ah, maman, si t'as des grandes, des tourins. Déguste tout ça. Tout ça, c'est à moi. Magnifique. Bien chaud, bien brûlant en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, t'as mis de la viande dedans? Il y a de la viande, il y a de la sauce, il y a tout ce qu'il faut, c'est un bon tacos. Est-ce qu'elle tient pas? Frère, c'est pas du steak haché, c'est du steak à chier, frère. À chier, mon frère, la vie de ma mère, c'est vrai. La sauce, on dirait peut-être une semaine, frère, c'est quoi ça? C'est un tacos, c'est des bons. Un peu, mon frère, tu viens? C'est pas de jambes que tu viens, ma mère. Pas te faire la pub, mon frère. Je vais montrer ça à mes abonnés. Bon, putain, moi je t'ai payé. Tu viens, bah, je te rembourse, frère. Comment ça, pas manger ça, pas manger ça, moi. Comment ça, t'en bats les couilles? Ouais, me touche pas, me touche pas. Voilà, la vie de ma mère. Donc voilà les amis, il me ramène son tacos, je goûte, je vois que c'est dégueulasse, je pète un câble, j'ai tout cassé dans le snack, je me suis levé, j'ai pété la télé, j'ai pété les cadres, et qu'est-ce qu'il me dit le gérant du snack? Ouais, je t'ai payé, on a un contrat, si tu fais pas le contrat, je porte plainte. C'est toi, tu portes plainte, tu me fais un tacos de merde et tu portes plainte. Mais c'est moi, je vais porter plainte contre tes tacos de merde. Du coup, j'ai fait quoi, les amis? Je suis allé derrière la caisse, j'ai récupéré la télé, je lui ai fait une prise de catch à la télé. Je l'ai défoncé encore plus. Oh, le mec, il est sérieux, il me fait de la merde et en plus, il veut porter plainte derrière. C'est quoi ce bordel? Nul, nul, nul le tacos. Je fais quoi, là? Nul. Nul le tacos. C'était plus un tacos, c'était un cassos, les amis. Il y avait plus de frites que de viande. Le Valère Germain des tacos. Nul. Tu veux un parfum, tu vas dans une parfumerie. Tu veux faire du ski, tu vas dans une station de ski. Tu veux un tacos, tu vas chez Otacos. Ben ouais, logique. Tu vas pas prendre un tacos dans un magasin de meubles. Logique, les amis. Mais c'est vrai, c'est Otacos. Marre de ces imitations Lacoste. Marre des imitations. Marre, les amis, c'est quoi ça? Et c'est la vérité, je mange plus jamais de ma vie un tacos si c'est pas chez Otacos. Sur, les amis, je vous le